Comment ça va aujourd'hui? Ça va les confinés? Vous êtes toujours bien confinés? Vous n'avez pas encore pété un plomb, j'espère? Oh, ça va. Vous avez qu'à regarder les vidéos d'Ambre et Crissa, comme ça vous pétez pas un plomb. Bon, aujourd'hui, je vais vous raconter un peu mes derniers jours, depuis mes dernières nouvelles. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Nous sommes le 1er avril, et non, c'est pas un poisson d'avril, parce que aujourd'hui, ça fait 3 ans, pile poil, que j'ai signé le bon de commande, le contrat pour celui-là qui l'a derrière moi, Foxy. Et voilà, oui, effectivement, c'était le 1er avril 2017. Et je vais vous raconter ça un peu plus. Et surtout aussi toutes les modifications que j'avais faites pendant ces 3 ans. Allez, à plus! Bon, nous sommes aujourd'hui on est mercredi aujourd'hui. Ça faisait 2 semaines dimanche dernier que j'étais ici. Donc ça fait 2 semaines et 3 jours. Vous pouvez calculer combien de jours ça fait, 17, 18 jours. Et entre-temps, j'ai changé une fois de place. Mais là, effectivement, je suis mieux installée. J'ai sorti un peu l'auvent. Pas à cause du soleil, mais à cause de la pluie, parce que c'est quand même plus agréable quand on rentre, quand on sort. Surtout comme moi, je laisse souvent mes chaussures dehors, la plupart du temps même, d'être un peu à l'abri. Voilà, Domino, sur sa place préférée. Ah, en fait, comme c'est, il y a beaucoup de vent, voyez, j'ai attaché un peu mes pieds, les pieds de l'auvent. Alors, sous Foxy, mes courses, toujours mes courses, toujours c'est ce que j'avais acheté il y a quelques jours, hein, presque une semaine là maintenant. Voilà, là c'est pareil, j'ai attaché l'auvent et j'ai bien fait parce que la nuit dernière, il avait beaucoup de vent. Hier, il avait beaucoup de pluie et beaucoup de vent. Donc voilà. Alors, Foxy, de l'extérieur, hein, pour vous montrer un peu la différence de ce qu'il était il y a 3 ans quand je l'ai acheté, c'était un coup de cœur. C'était vraiment un coup de cœur. J'avais décidé d'acheter un camping-car. Je savais exactement ce que je veux. Comme équipement à l'intérieur, quel type de véhicule que je veux, et je savais aussi ce que je ne veux pas, c'est ce que je voulais absolument pas. Voilà, c'est ce que je voulais surtout, c'est un intégral. J'aime pas les capucines, les profilés, c'est pas trop mon truc, moi je préfère un intégral. C'est ce que je voulais aussi absolument, c'est ce qui est très très important pour moi. C'est un lit fixe, et quand je dis lit fixe, ça veut dire un lit qui est vraiment bien installé, fixe, on ne peut pas bouger. Et ce n'est pas non plus un lit pavillon. Pour moi, un lit pavillon, ce n'est pas un lit fixe. Parce qu'il faut le monter, il faut descendre, il faut baisser, il faut ci, il faut ça. Je ne voulais pas ça non plus. C'est ce que je voulais aussi absolument, ce qui était très important pour moi. C'était une douche séparée et pas la douche comme il y a beaucoup dans beaucoup de camping-cars, ils le font pour gagner de la place, je suppose, en longueur. C'est ce que je voulais pas. Si vous voyez en fait, c'est le robinet du lavabo de la salle de bain qui fait aussi douche. C'est-à-dire, on prend sa douche au-dessus des toilettes et c'est tout mouillé. Oui, vous allez me dire, il y a un rideau. Oui, effectivement, il y a un rideau. Mais non, je voulais pas ça. Je voulais vraiment une douche séparée. À part de ça, je me suis dit, je vais aller et puis je vais voir c'est ce qu'on me propose. Bon, à l'époque, j'habitais Bordeaux, plein centre-ville de Bordeaux, vraiment dans le vieux Bordeaux. Et on a la chance, si on peut appeler ça une chance, oui, c'est une chance quand même pour nous, les acheteurs, les futurs camping-caristes ou les camping-caristes qui sont déjà.
Il y a beaucoup marchands de camping-cars qu'ils ont regroupés dans le même village, dans la même rue, à 50 mètres l'un de l'autre. C'est à Sainte-Eulalie, c'est un peu au nord de Bordeaux, direction Paris. Si vous prenez l'autoroute de Paris, vous allez forcément voir aussi la sortie d'autoroute Sainte-Eulalie. Voilà, donc j'ai pris ma voiture un samedi après-midi, le 1er avril, c'était un samedi, je travaille jusqu'au samedi midi, donc j'ai terminé à midi, j'ai mangé vite fait, j'ai pris la voiture, je suis parti. Je me suis arrêté au premier qui a croisé mon chemin, et je suis rentré dans la cour, je regardais un peu à gauche et à droite, j'ai vu beaucoup de profilés, surtout des profilés, j'ai vu des capucines, et il avait aussi quelques intégraux, et puis je voyais un monsieur, un vendeur avec un couple qui montait justement dans un intégral, et je demandais gentiment si éventuellement je peux me joindre à eux, et voilà, oui, il n'y a pas de souci. Et donc nous sommes montés dans Foxy, et vous le croyez, vous le croyez pas, je suis monté dans ce camping-car. J'ai vu ça et j'ai dit, ça, c'est mon camping-car. C'est exactement ce que je veux. C'est vraiment, vraiment le camping-car de mes rêves. C'est ce que j'avais dans ma tête. Il est spacieux, il est très lumineux, il a beaucoup de fenêtres, beaucoup de vitres. Vous avez certainement remarqué aussi, maintenant, les camping-cars qui se font maintenant, ils ont beaucoup, beaucoup moins de fenêtres, beaucoup moins de vitres qu'à l'époque. Il a quand même, il date de 2004, donc il va avoir 16 ans, là, fin du mois. Et il est très lumineux, il est spacieux, il n'a pas de séparation entre la chambre et la pièce à vivre, parce que pour moi, il y a donc la partie conduite, ensuite il y a le séjour, il y a la cuisine, et au fond il y a la chambre, et l'autre côté il y a toilette, douche, armoire et frigo. Donc c'était exactement ce que je voulais. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de porte. Tout est ouvert, tout est un grand espace. Voilà, je suis tombée amoureuse de mon Foxy au premier coup d'œil. Hey Domino, salut toi. Bon, aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Le lit pavillon est parti. Là, c'est moi. Ah oui, l'autre côté, je voulais vous montrer aussi. Regardez comme c'est joli. Ça, c'est un cadeau de notre amie Karine Cassia. Super. Elle a peint pour moi spécial Domino avec Foxy au fond. Ben voilà, on fait le tour. On regarde un peu derrière pour que vous pouvez faire la comparaison entre autrefois et aujourd'hui. Voilà ma cuisine. Je viens de faire la vaisselle. Oui. Je virai la porte de la salle de bain. Et voilà ma salle de bain et ma douche au fond. Voilà. Voilà mon Foxy aujourd'hui. Et je me souviens, le vendeur, très gentil d'ailleurs, et très compétent. Bon, c'est pas sa faute si les autres sont incompétents. Et il m'a dit, ouais, non, mais vous allez voir, au bout des 3 ans, vous allez changer, parce que tous les camping-caristes changent tous les ans, tous les 3 ans, régulièrement. Alors faites attention à ce que vous faites. J'ai dit, non. Non, ça c'est ma maison à roulettes et ça restera ma maison à roulettes très 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 longtemps. Je pense que je vais l'amener jusqu'à la fin de ou sa vie ou ma vie. Voilà. Bon, en fait, c'est pas forcément pour ça que je voulais vous parler. Si, aussi un peu quand même. Parce que s'il y a 3 ans, on m'aurait dit que aujourd'hui, le 1er avril 2020,
je me retrouve sur un parking complètement vide devant une aire de camping-car fermée à cause d'un con de virus, pour ne pas dire plus gros mot, en confinement total. Ça a commencé il y a 15 jours et on ne sait pas jusqu'à quand ça dure. Voilà, j'aurais dit, mais n'importe quoi. Et bien voilà, et c'est exactement dans cette situation qu'on se trouve là actuellement. Et vous avez vu ça un peu, la transition, comment c'est bien trouvé. Ah, c'est nickel là, c'est génial. Je sais, écrit ça, t'es au top là encore. Voilà, location de bicyclette. Ce sont eux les propriétaires de l'aire de camping-car. Tout est fermé. Et comme je vous avais déjà raconté la dernière fois, j'ai payé électricité et eau et tout ça jusqu'à hier, jusqu'au 31 mars. Et j'étais persuadée, 31 mars, il y a quelqu'un qui va venir pour continuer, pour encaisser encore. Et bien voilà, je ne me suis pas trompée. Il y a bien quelqu'un qui est venu. La sœur du propriétaire, qui parle très très bien français d'ailleurs, très sympathique la dame. Donc ben, je suis allée gentiment équipée de mon masque avec ma carte bleue pour demander si je peux rester et continuer à payer et ainsi de suite. Pour rester, on ne sait pas. En fait, attendez, elle me dit, attends une minute, je vais appeler mon frère. Ok, elle a appelé son frère, elle a discuté quelques minutes avec lui, elle m'a dit, elle a raccroché, elle m'a dit, mais non, attends, on ne va pas te faire payer, ta situation est déjà assez difficile comme ça, on ne va pas en rajouter, tu peux rester tant que tu veux, tu peux rester branché, l'eau et tout ça, mais on ne te fait pas payer. Alors là, franchement, j'avais des larmes aux yeux quand elle m'a dit ça. Et encore, vous voyez, je suis toute émue. Moi, je trouve ça génial. Déjà, le mec, il a pas de revenus du tout. Parce qu'en fait, il est au bord de la voie verte. C'est très touristique ici. En plus, il y a un parc naturel derrière qui est classé... historique parc naturel à l'UNESCO, je sais pas exactement comment ça s'appelle. En fait, c'est un site classé à l'UNESCO, patrimoine mondial ou je sais pas trop quoi, naturel. Et tout est fermé normalement, il y a beaucoup de touristes. En plus, il y a Pâques qui s'approche, il y a la Semaine Sainte qui est tout un événement ici à Doña Mencia aussi. Il n'y a déjà pas de revenus et en plus, il m'offre l'électricité, l'eau et tout gratuitement. Là, franchement, je trouvais ça... Oh, je ne savais pas quoi dire. J'avais des larmes aux yeux tellement je trouvais ça gentil. Ensuite, hier soir, je suis allée... Ben, il était 11h30 le soir. Je suis allée promener Domino. Et comme je le fais de temps en temps la nuit, je m'avance un peu vers là. Pour la simple raison, là c'est du bitume, ici c'est que du sable et comme il pleuvait tout le temps, j'avais pas trop envie de patauger dans la boue. Donc je me suis avancée un peu vers là, là c'est le restaurant qui est fermé, la cantina, qui a très très bonne réputation d'ailleurs. Donc il y a le rond-point ici avec la grande route qui traverse et l'accès à Doña Mencia. Et je me balade avec Domino pour une fois avec la laisse, maintenant la nuit oui je le garde avec la laisse. Et j'entends une voiture passer. Bon, ben, je ne me suis pas retournée, je n'ai pas regardé. La voiture s'arrête derrière moi. Monsieur qui me dit « Hola », je me tourne. « Oula », c'était la Guardia Civil. Mais ils n'avaient rien allumé. Vous savez, la barre lumineuse qui est sur le toit là, avec les gyrophares et tout ça, ils n'avaient rien allumé. Donc, ils sont arrivés tout discret, tranquille. Le monsieur il s'est arrêté, il m'a demandé si je suis la personne avec le camping-car. J'ai dit oui, c'est moi. Et après il m'a dit quelque chose, j'ai pas trop compris parce que bon, ben, il parle très très vite. Et alors j'ai interprété, on va attendre qu'il passe. Ouais, il y a la circulation mais beaucoup moins, il y a pratiquement plus rien, il y a très peu maintenant.
dans la journée. Et la nuit, plus rien. Je ne sais pas trop, comme j'étais vraiment loin de mon camping-car et j'étais complètement en dehors du parking, je me suis dit peut-être, il m'a dit que je dois rester à côté de mon camping-car ou à proximité, pas trop m'éloigner. C'est ce qui semblait logique parce qu'ils ont resserré la vis ici. Ambre, elle vous a peut-être déjà parlé. Ils ont resserré la vis, les contrôles sont encore plus sévères. Ils ont fermé beaucoup d'entreprises, tout ce qui est vraiment pas... strict nécessaire, ils ont tout fermé. Donc ça râle, les commerçants, les petits patrons, ils râlent, c'est tout à fait normal, parce que c'est une perte énorme pour eux, parce que il n'y a pas que des salariés, que leur salaire est maintenu. En Espagne, il y a beaucoup de petits patrons, des petites entreprises avec un, deux salariés, et encore les petits commerces, voilà quoi. Donc eux, ils ont des gros problèmes aussi. Et maintenant, comme l'État a fermé pratiquement tous les commerces, ils râlent. Les usines et tout est fermé, donc ça ralentit drôlement l'économie et ça va poser des gros problèmes. Et pas uniquement en Espagne, hein. Là je parle de pratiquement, c'est mondial pratiquement, hein. c'est un peu partout aussi. Hein. Donc voilà, il m'a expliqué un truc, j'ai rien compris, j'ai interprété à ma façon. En me disant peut-être, il m'a dit, mais il faut que je reste à proximité de mon camping-car, pas quitter le parking, pas aller trop loin. Oui, effectivement, je le comprends, c'est tout à fait normal. Si c'est ça, j'ai fait demi-tour, j'ai dit merci et je suis rentré. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il a peut-être dit autre chose. Je vous raconte ça tout de suite. Bon, voilà, vous voyez devant vous, officiellement, depuis ce matin, une nouvelle habitante temporaire de Doña Mencía, officiellement enregistrée, recensée, voilà. Oui, ça c'était la porte de Foxy, et un coup de vent. Donc, je vous explique, tout à l'heure, j'allais juste commencer à faire la vaisselle. Oui, ça m'arrive aussi de faire la vaisselle. Je voyais un gros 4x4 arrêté juste derrière au cul de Foxy. Gardien civil, ça bouge pas. Bon, ok, on va descendre. Bon, je prends un petit gilet, je descends. Il y a deux gardiens civils dans le véhicule. Il me demande, la première question qu'ils m'ont posée, est-ce que vous êtes seule? Je dis, oui, je suis toute seule avec mon petit chien. Est-ce que vous voulez pas rentrer en France? Est-ce que vous rentrez pas en France? Non, attendez, je mens. La toute première question qu'il m'a posée, c'est si je parle espagnol. Elle dit, un poquito. Donc, ensuite, est-ce que je suis seule? Et ensuite, est-ce que je veux rentrer en France? Est-ce que j'ai prévu de rentrer en France? Je dis non, pas du tout. Ça, c'est ma maison. Donc, j'ai rien en France. Voilà. En plus, je dis, je suis en Espagne, là, depuis mi-janvier déjà. Et je compte rester. Ça fait 15 jours que je suis ici. Je compte rester jusqu'à la fin du confinement. Avec mes trois mots espagnols. Bon, pas de souci, ok. Bon, il y a son collègue qui est descendu. Il m'a demandé le papier, passeport, papier du véhicule. Il fait le tour du véhicule, regardez, assurance et ainsi de suite. En attendant, son collègue, il est parti. Il a fait le tour du bâtiment, là derrière, du bâtiment, du hangar. Je pense qu'il a dû vérifier si tout est fermé, tout est bien fermé à clé et sécurisé. Il est revenu de l'autre côté. Il m'a demandé si j'ai de l'eau. J'ai dit oui, j'ai de l'eau, j'ai des toilettes, j'ai des douches, il n'y a pas de souci, tout y est dans mon camping-car. Et puis en attendant, l'autre, il était en train de vérifier les papiers et d'enregistrer, de noter, prendre note. Je pense qu'ils m'ont bien enregistré maintenant. J'ai demandé, il m'a dit, mais vous allez pour faire des courses. Mais je dis, mais moi j'y vais à pied, au supermarché, en haut, là, au village. À pied, il m'a dit il n'y a pas de souci, je peux aller à pied au supermarché, je peux aller à la pharmacie, aucun souci non plus. Et je demandais, bientôt je vais avoir besoin d'une bouteille de gaz.
est-ce que je peux aussi aller à la station-service pour voir une bouteille de gaz? Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, mais comment tu vas faire pour la transporter? Parce que c'est quand même lourd, ça. Je dis, mais écoute, je veux demander à la station-service éventuellement s'ils peuvent me livrer la bouteille, parce qu'il y a un service de livraison, mais je ne sais pas si cette station est concernée. D'ailleurs, encore un grand merci à YourTube encore, parce que vraiment tu m'as drôlement aidé. Et je regardais sur le site Repsol pour commander. Entre-temps, j'ai trouvé un autre truc, c'est-à-dire je vais dévisser la lyre de ma bouteille ici, je vais prendre la lyre et je vais aller directement à la station de service avec la lyre, avec le clip que j'ai. Peut-être c'est compatible, je n'en sais rien. Je sais que la lyre, c'est le pas de vis, c'est le même qu'en France. Donc, il suffit éventuellement juste changer le détendeur. Bon, il faut que je vois ça. Donc, je ferme la parenthèse. Et il me dit, il n'y a pas de souci, je peux y aller. Je peux aller pour faire des courses, je peux aller à la pharmacie et je peux aussi aller à la station-service. Mais tout à pied, pas avec le véhicule. Où j'ai dit, non, vous inquiétez pas, je ne bouge pas mon véhicule. De toute façon, c'est impossible. Ça sert à rien parce que le village, là, c'est tellement petit. Je pourrais même pas me garer avec Fox, sinon que ça sert à rien. Et le supermarché, il propose un service de livraison. Donc voilà, c'est nickel, je ne vais pas déplacer Foxy si je peux tout faire à pied. Et en plus, ça me fait l'exercice. Donc voilà, ils ont resté quelques minutes après m'avoir enregistré et posé quelques questions. Voilà, ils ont reparti tout gentil, tout souriant. Et voilà, maintenant je suis... habitant temporaire de Doña Mencia. Merci au village. Allez, une autre petite anecdote, ou anecdote tout court. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il y a le boulanger qui vient sur le parking là. Il est toujours venu parce que jusqu'à maintenant, jusqu'au vendredi, il avait un camion de Correos de la Poste qui venait faire sa pause ici. Donc le boulanger, il est venu pour lui et aussi pour moi. Mais c'est qu'en fait, il vient très tôt, il vient entre 8h30 et 9h. Et la plupart du temps, entre 8h30 et 9h, moi je suis encore dans mon lit. Oh pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Alors donc, ça fait quelques jours que je n'ai plus vu le boulanger. Et même si je le pistais un peu, pendant 3 jours, je le pistais un peu le matin, mais bon, j'ai pas vu, donc voilà. Et maintenant, le camion de la Poste ne vient plus non plus. Donc, je vais toute seule ici. Et ce matin, dans la matinée, oui, je suis allée aux poubelles, là, tout au bout. Et quand je reviens, je voyais camionnette boulanger, le même boulanger que celui qui était venu il y a la semaine dernière. Donc je l'arrête, le monsieur. Bon, j'ai vu que c'est pas le même, ça n'est un autre. C'est pas grave, mais c'est la même entreprise. Donc j'ai demandé si je peux avoir du pain. Ah, il me dit, mais moi j'ai rien derrière, tout est vide, je me balade vide. Mais t'as besoin du pain? Je dis, ouais, j'aimerais bien. Bon, ben attends, j'appelle. Donc il a pris son téléphone, il a appelé quelqu'un d'autre, et il est venu me voir. Ah tiens, le chat. Ils ont plusieurs là, ils ont lui, c'est le mâle, il y a une autre plus petite, beaucoup plus fin, sa copine ou sa femme ou voilà, sa compagne on va dire. Allez, il vit là derrière. Et donc le boulanger en fait, il est reparti et effectivement, 5 minutes plus tard, il y a le boulanger habituel qui arrive avec sa camionnette, qui s'arrête à quelques mètres de Foxy. Moi je l'ai pisté, je suis sortie tout de suite et j'ai pris mon pain. Il m'a dit, mais j'étais plus venue parce que je pensais que tu es partie parce que je te voyais pas. Ah, mais je dis, mais oui, mais c'est normal, le matin toi tu passes entre 8h30 et 9h, ben moi je dors, hein. Moi je me couche pas entre 2h et 3h le matin. Donc, ah oui, mais dis donc, le matin, voilà, en gros tu fais la grasse mat, en gros c'est ça. Ben oui, ben c'est ça. Moitié anglais, moitié français, moitié espagnol, voilà, on a bien rigolé en tout cas.
Et puis, j'ai dit, mais bon, ça fait 15 jours que je suis là et je reste jusqu'à la fin du confinement. Hein. Et puis, il m'a dit, mais tu veux que je revienne? Je dis, mais oui, je veux bien, ça serait sympa d'avoir du pain frais sans se déplacer. Parce que de toute façon, c'est comme ça en Espagne et Portugal. On voit ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous vous souvenez de l'année dernière, à Meixel, on avait déjà ça. On avait la boulangère qui venait le samedi, on avait le maraîcher qui venait le samedi aussi. Ensuite, mercredi, on avait le poissonnier. Et lundi, on avait l'épicier. Et ils venaient avec leur véhicule directement sur l'aire de camping-car et pour vendre leurs produits. Et je pense qu'ici, ça doit être pareil. Quand l'aire de camping-car est ouverte, je pense qu'ils doivent venir aussi vendre ses pains, ses baguettes, ses gâteaux. Il fait un gâteau, c'est un truc hyper simple. C'est ce qu'on appelle, enfin, Ambre appelle ça la pâtisserie du boulanger. C'est simple et c'est super bon. C'est une pâte toute ordinaire et c'est rempli avec une crème anglaise. Mais c'est excellent, je me régale avec ça, c'est trop bon ça. Et donc en fait, il est venu, il était, je sais pas, il était 10h30, 11h, quelque chose comme ça, j'avais pas encore pris mon petit déjeuner. Il m'a dit, mais là, cette heure-ci, là, ça te va? Je dis, moi, c'est parfait, ça me va très très bien, parce que maintenant, je veux prendre mon petit déjeuner. Ah ouais, il m'a dit, ok, donc à demain, je reviendrai pas à 8h le matin, mais à cette heure-ci. C'est parfait. Donc voilà, j'ai même le boulanger qui vient me livrer tout le matin, ici, le pain. Elle n'est pas belle la vie. Et puisqu'on parle des courses, je vous avais dit la semaine dernière, vendredi, je suis allée faire des courses. Et j'ai acheté entre autres des chorizo. Mais des chorizo, ce ne sont pas les mêmes qu'on trouve en France. C'est-à-dire des chorizo un peu secs qu'on coupe en petites tranches, qu'on mange pour l'apéro. Ici, en Espagne, au Portugal, on trouve des chorizo cru qu'on fait cuire et c'est excellent, c'est super bon, j'adore. Ou vous faites revenir comme ça entier à la poêle, ou c'est ce que j'ai fait souvent, et Ambre aussi, en coupant toutes petites rondelles et on fait cuire comme ça tout doucement à la poêle, mais c'est super bon. Donc j'avais trouvé ça aussi au supermarché, mais c'était des gros paquets énormes, je crois qu'il avait 30 dedans. Et c'est trop. Donc je demandais gentiment, est-ce que je peux avoir moins? Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, combien vous en voulez? Donc j'ai dit 10. Elle est partie avec, elle m'a fait un paquet de 10. J'ai payé, elle m'a tout rangé. Quand je suis arrivé ici, le gars, il m'attendait déjà. Tiens, il y a un petit chat qui vient là. Salut toi! Elle vient régulièrement. Regardez. Vous la voyez là? On la voit là? Je ne sais pas si on la voit là. Je ne sais pas. Bon, pas grave. Tant pis, elle est partie. Donc voilà, je suis partie les mains vides. Les courses sont arrivées. Et puis j'ai tout laissé un peu dehors en attendant. Et comme il ne faisait pas très chaud non plus, j'ai tout casé sous Foxy un peu à l'abri. Et je m'occupe de mes affaires à l'intérieur, je vaque à mes occupations. Et un peu plus tard, quand je voulais ranger mes courses, je me suis dit, il y a manqué quelque chose. Il manquait le paquet de chorizo. Alors, où sont mes chorizo? Bon, je me suis dit, j'ai peut-être oublié à la caisse, ils ont oublié de ranger, ou je n'en sais rien, je regardais partout, je n'ai pas trouvé. Mais en fait, j'ai trouvé la solution le lendemain. Vous allez rigoler. Du coup, j'étais un peu en colère, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Y a un chien errant ici. Pour ceux qui connaissent un peu les rats, c'est un podenco. Vu de ce que j'ai vu, c'est un pur race podenco. Et puis à un moment donné, j'étais loin de l'autre côté là, de la place et je voyais ce chien qui voulait monter dans Foxy, mais la porte était fermée, donc il pouvait pas. Il avait mis les pattes devant sur la marche pour monter, renifler un peu et reparti. Parce que je l'ai interpellé, il a tourné la tête et il est parti. Et oui, c'est qu'en fait, c'est lui qui m'a
piqué mes chorizo. Il se fait un festin avec mes chorizo. Vous savez comment je le sais? Parce que le lendemain, j'ai trouvé le papier d'emballage l'autre côté du hangar, un peu plus loin. Ben oui, c'était pas fermé, c'était dans une poche plastique. Et vous savez bien, les chiens, comme les chats d'ailleurs, sont très malins. S'ils veulent quelque chose, et ils obtiennent. Surtout un chien errant, ils sont encore plus malins que ça. Donc, c'est le podenco qui se régalait avec mes chorizo. Voilà. Bon, le confinement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. J'ai parlé un peu avec la dame de location bicyclette et propriétaire de l'aire de camping-car. En fait, c'est la sœur du patron. Parce que quand elle est venue, je voulais payer pour, comme j'avais dit tout à l'heure, je voulais payer au moins pour 4 semaines. Elle m'a dit oui, c'est officiellement, pour le moment, officiellement, c'est jusqu'au 14 avril. Mais elle est comme moi, elle pense pas que ça sera terminé avant début mai, voire plus. Et en France, peut-être vous avez entendu parler, il commence à parler déjà à la rentrée en septembre. Pas la rentrée vacances de Pâques, mais rentrée scolaire en septembre. Donc on est parti pour un long moment. Et autant de s'installer le mieux qu'on peut. Quoi. Là maintenant j'ai trouvé ma place, je suis super contente, je peux rester. Confirmée par la Guardia Civile, je peux rester tant que je veux jusqu'à la fin du confinement, même si ça dure 2 ou 3 mois. Le supermarché, la supérette, elle reste ouverte, donc je peux aller faire mes courses à pied, je peux aller à la pharmacie à pied, je peux aller prendre une bouteille de gaz, je veux voir si ils peuvent me livrer, je peux rester ici, prendre du courant, enfin de l'électricité et de l'eau autant que j'ai besoin. Donc je n'ai aucune raison de bouger et je n'ai pas envie de bouger non plus, parce que honnêtement, je me sens bien ici, je me sens en sécurité ici. Je me répète encore et encore, la police passe, la Guardia Civile passe. En plus, maintenant, je suis enregistrée, donc. j'ai ce qu'il faut ici. J'ai vraiment ce qu'il faut. Le soleil, de temps en temps, il est là, de temps en temps, il n'est pas là. Il fait plus frais ici que sur la côte. Ben, c'est normal, je suis à environ 600 mètres d'altitude quand même, je suis à la montagne là. Hein? Mais ça ne me dérange pas. Le chauffage fonctionne, l'eau fonctionne, je peux prendre ma douche, j'ai de l'eau, donc tout va bien. Et bien si ça dure encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, et bien ça dure encore 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi ça ne me dérange pas du tout. La solitude, je vous rassure encore une fois de plus, la solitude ne me pèse pas. Je suis une ours solitaire, j'ai toujours été solitaire. Comme on dit, je suis autosuffisante. Non, ça ne me dérange pas du tout. Et en plus, le boulanger qui vient, donc je vois du monde, je vois la police, on se fait des coucous, je peux aller faire des courses. Donc, je vois du monde quand même. Par rapport à ça, je suis avantagée par rapport à Ambre, parce qu'elle, elle ne peut pas sortir de son camping. Elle est vraiment fermée dans son camping. Tandis que moi, théoriquement, si je veux partir, je peux partir. Et je pense que ça aussi, c'est un peu moins lourd à porter que si je serais à un endroit complètement confiné, enfermé, emprisonné presque. Je suis bien. Vous inquiétez pas pour moi. Je sais qu'il y en a qui se posent la question, comment elle va tenir, la pauvre Krissa, elle est toute seule. Oui, elle est toute seule, mais elle se porte très 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 bien. Je suis habituée à être seule, je vis seule depuis 96,
J'ai toujours vécu seul depuis 96. J'étais pas en couple depuis cette année. Ça me dérange pas du tout, franchement. Je suis bien. Je suis bien. Je me sens bien. Je me sens en sécurité. Et si ça dure, eh ben tant pis, ça dure de toute façon. Où voulez-vous que j'aille? Aller en France, pour quoi faire? Hein? Pour me faire balader d'un camping fermé à une aire de camping-car fermée? Non, merci. Je n'ai plus rien en France. Je n'ai rien, plus rien depuis très 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 longtemps en Allemagne. Donc, je ne saurais même pas où aller. Je ne bouge pas. Et vous non plus. Restez chez vous. C'est la meilleure chose à faire. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Tenez bon, restez chez vous. Et je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse à distance. Derrière moi, Domino, vous voyez, il est sur le tableau de bord. Il est tranquille. Allez, bon courage à vous tous. Gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao.